reçoit un appel d'un policier qui lui annonce que, en fait, il a un fils, ce dont il n'était pas au courant du tout. Action! Merde, je le connais pas ce gosse! Ah! Je le connais pas ce gosse! Je le connais pas ce gosse! Je le connais pas ce gosse! Merde! Je le connais même pas ce gosse! Ah, Josiane a vraiment le don pour me faire chier! Bonjour à tous, il est midi sur Midday Time à Radio ISCPA. L'été est là et depuis quelques semaines, les vacances approchent. Aujourd'hui, les jeunes stagiaires de eSummer ont enquêté sur plusieurs sujets à propos du soleil, de l'été, des vacances et de la détente. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement ? Bonjour, moi c'est Marie, j'ai 25 ans. Alors bonjour Marie, déjà est-ce que vous avez chaud ? Le shiatsu. Depuis des millénaires, les massages en Chine font partie de la médecine traditionnelle au même titre que l'acupuncture ou le qigong. Alors Sarah a essayé d'en savoir un peu plus en interviewant une praticienne de shiatsu et Mathilde qui s'est fait elle-même masser. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors de ce que j'ai vu, alors tout d'abord une équipe est venue à l'ISCPA. On les a vus dans une grande salle assez spacieuse qui est peu meublée avec des sièges assez confortables pour un massage agréable. Donc... Vous êtes magnifique, hein ? C'est un peu déterminant. Surtout, fais attention, Sarah, pas trop bouger. Hein. Ah, c'est là, c'est sinon. On se concentre, s'il vous plaît, 30 secondes. Allez, 10 secondes. Allez. 5, 4, 3, on se place. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre journal immédiat du 6 juillet 2018, il est 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre journal immédiat du 6 juillet 2018. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre journal immédiat du 6 juillet 2018. Il est 13h. Nous accueillons aujourd'hui sur le plateau Sarah Guyut qui va nous parler de la cigarette dans le cinéma. Bonjour Sarah. Donc bonjour. En effet, aujourd'hui nous parlerons de la cigarette. Un objet qui est glamourisé, voire banalisé. Qu'on le veuille ou non, la cigarette fait partie de notre quotidien. Que ce soit dans les rues, en terrasse, chez nous parfois, mais surtout au cinéma. On va nous parler de la cigarette dans le cinéma. Bonjour Sarah. Donc bonjour. Donc en effet, aujourd'hui nous parlerons de la cigarette. Donc c'est sur ce que nous clôturons ce journal de 13h. Donc merci de nous avoir écoutés et à demain. Au revoir. Vous avez été parachuté à l'antenne, parachuté dans le duplex, parachuté en plateau. Plutôt positif. Et ce qui m'intéresse le plus dans cette école, c'est surtout le monde de la communication et de la publicité. En général, on peut avoir des centaines et des centaines de calques, c'est assez indigeste, avec que des images de superposition de calques, d'où la logique des calques, et grossir, rétrécir chaque image, chaque objet indépendamment. Parce qu'en fait, voilà, par exemple, j'ai mon Empire State Building qui est derrière mes autres images. Et je voudrais la mettre devant. Mais c'est des couches. C'est des couches supplémentaires, forcément, si tu mets la couche 5 en haut, la couche 4, tu la verras plus. Bah, en gros, ta souris elle est sur ta table, du coup, tu vois ta souris.